à la page YouTube, bien évidemment, pensez à aller lâcher votre abonnement à un point d'exclamation. Il me semble CBTV et vous aurez tous les liens vers tous les réseaux sociaux, dont le YouTube évidemment. Donc vraiment, n'hésitez pas à vous balancer sur le YouTube. Point d'exclamation CBTV. Envoie-le. Demande-lui s'il est protos. C'est genre, le mec est random et tu lui dis, t'es protos. Personne dit ça. Full ton boy quoi qu'il arrive. Hein. Ouais, pourtant, il l'a fait. Faut que t'ailles dans le wall. Vas-y, faut que tu ailles poser ton pylône dans le wall. Voilà, supply dépôt, dans pardon. Le wall. Il va pas répondre, je déteste la vie. Pas grave, ça va. Moi je pense que c'est un protos. Tu veux jouer au scout aussi. Non, avec bon. Ça il faut que tu mettes. Vas-y, viens sur la. Moi je parie. À droite. Je parie une bouchée de bris noir qu'il est zerg dessus. Tu veux le scouter ça, ouais, ouais, là. Mais là. Parfait. Ah, t'as cut un SCV, mon cher Clément, t'as pas lancé. Fais Tarax d'abord, maintenant que t'as la thune, fais Tarax. Catastrophique. Bébé. Après, ouais, t'inquiète, elle est pas fini. Ah oui, le dépôt voilà. Il est pas fini. Est-ce que là, tu lances ton gaz. Est-ce que le build il peut pas marcher en TVT aussi? Non, je pense pas. Je pense vraiment que pour le coup, c'est très. Je pense que le wall est trop très embêtant. Très protos-favorite, ça. Première raffinerie à 15, tu l'as. Deuxième raffinerie à 16. Donc, ouais, là, dès que donc là, tu lances là, maintenant. Tu peux la lancer. BR. Je vois une petite erreur que fait Clément, où en fait c'est pas mal, c'est bien de le noter pour les gens en général. Il lance des SCV, ouais, trop tôt, ouais. Mais pas au bon moment des fois. C'est-à-dire que des fois son SCV est à mi-production, il se dit attends, faut que je m'occupe de ma raffinerie, mais comme je veux pas manquer mon SCV, je lance mon SCV, mais du coup j'ai plus l'argent pour ma raffinerie et je perds du temps sur ma raffinerie. Et du coup voilà, c'est bien de queue des récolteurs, mais j'envoie pas sur le début de partie. Station orbitale, non, station orbitale. Ouais. Dès qu'elle est finie, dès que Tarax est fini, tu fais un Reaper avec ton Drax. Reaper, superbe. Là, du et coup, chez toi, tu fais un supply dans dépôt, le wall. Ouais, dépôt dans le wall, à gauche, du coup, à l'opposé de celui-là. Voilà, pour pouvoir faire mettre pour armer ton usine à l'intérieur. Il faut que tu satures avec sature ton deux SCV là. Parfait. Et là, regarde, tu peux déjà amener un SCV parce que t'auras bientôt de quoi te poser ta facto. Donc ton usine dans le wall là. Moi, je vais faire avec lui, non? Ah non, je ouais, fasse après. Tardif, fais-le, ouais. Fais-le maintenant. Et lance un SCV et une mule. VF, pardon. VF. Je l'arpasse. SCV mule. Voilà. Et là, tu fais ton tech lab. Micro et tu fais ton tech lab. Ouais. X. Parfait. Oh, oh oui. Oh, il a pris B2. Vas-y, clique. Et c'est quoi son bâtiment de tech là? C'est une gate, je pense. Non, c'est pas une gate. Allez, vas-y, micro comme un porc. Vas-y, fais un lointain clic et va sur ta facto, ouais. Ta Rax. Facto et Rax, faut que tu produises des trucs dessus. Voilà, nice. Alors, la ça c'est pas bon, fini, mais l'annexe est terminée. Donc. Ça c'est maraudeur concussif, tu lances. Q2 maraudeur, t'as pas lancé l'upgrade. Fais ton concussif dans le tech lab. Voilà, et là tu peux déjà Q2 2 Hélion aussi, je pense. Et faire ta starport. Vas-y, 2 Hélion et starport. Voilà. Et VS maintenant. Voilà, et tu mets un supply. C'est plus important que ton reaper. Je leur fume un peu. Ok, c'est un stalker qui est sorti, recule, tranquille. Supply, parce que sinon tu pourras plus produire. Là, n'importe où en vrai, on s'en fout. Voilà. Tu peux lancer ta mule. Et là maintenant, tu rally point tout au même endroit. T'as ton usine, ton spatioport aussi, faut que tu le mettes en groupe de contrôle. Parfait. Et là, tu prends F2 et t'y vas. F2. Prends le SCV même. Ah ouais, t'as déjà un dépôt de lancer. C'est bien. Vas-y, F2 et à clic. Le lion il est loin, non, je l'attends. Il arrive. Ouais, tu l'attends. Vas-y, sans. Parce que là, si tu cliques le tracker, il meurt, mec. Si tu vois le tracker, tu t'approches, tu lui mets un concussive. Ah. Il est mort. Et voilà. Et il n'y a plus de tracker. Vas-y. La KD8, la KD8. C'est magnifique. Vas-y, tu crames de la probe et là, tu produis. Hélion, maraudeur, Hélion. Vas-y, clique le tracker. Voilà, avec le concussive, okay, il est mort. Et avec ta starport, tu dois pouvoir faire un viking là pour le coup. Parce que je pense que c'est une starport et t'as pas perdu une unit. Est-ce que c'est une perfect victory là-dessus? Dis-nous, Zolid, vas-y, monte. Let's go! La perfect game! Putain, on allait aller chercher celle-là. Hein. Bon, alors, les gars, le build order il est pas fort, le build order il marche pas. Y'a des gens qui ont dit ça? Bon, ils étaient là. Déjà, pour la première fois de la soirée, tout le monde a dit OMDR IA très facile sur le replay. Et un au fait plus. Toutes les games ont été faites sur des IA très faciles. Bah, oui. Non. Alors, non, par contre, c'est faux. Mes build order c'est IA Elite. Ah, c'est des IA Elite? Ouais. Bah, c'est une IA quoi. Bah, ah, mais quoi, oui. Vous voyez, il y en a dans le chat, ils ont même pas 2500 DMMR, ils se font perfect game par Clément qui découvre le build. Alors du coup, il est pas pourri le build, c'est à vous de me le dire. Non mais surtout, en fait, ça a été joué par des GM, à quel moment il est nul le build, tu oui, vois. Oui, Hero Marine l'a fait lundi en ES Open Cup, Coquet vous a dit, l'a vu fait par Mikiko. Il y a des mecs qui sont top monde. Ouais, je relance. Il y a des mecs qui sont top monde et qui font le build, à quel moment il est pas fort le build, ça a aucun sens. Il est pas fort. Ils sont fous les gens.
Mais je suis d'accord avec le chat, j'ai pas envoyé la mule donc ça compte pas, faut que je le refasse. Ouais, c'était pas on l'essaye en CVZ. Tu essaies en Z ? Vas-y, hein. À mon avis, c'est nul à Yesh. À mon avis, c'est nul, mais on va voir ce que ça donne. Hein. Bah, si il perd, on mange pas de fromage quand même. Le maraudeur contre Zerg, c'est vraiment décevant. Quoi. Si il perd, je vous fais goûter un autre en early. Ah, si il perd, il nous fait goûter bah, ça, un autre. Ça, tu regardes. Rally point ton CC. Sur, ta sur la choke. Sur ta rampe. Ouais. Voilà, comme ça, tu as celui-là, c'est celui qui fait le dépôt. Ok. Bah, tu peux vraiment automatiser plein de réflexions comme ça. Merci beaucoup, MRD Silex. Il y en a eu d'autres. Hein. Il y a eu voilà. Et lui, tu clique-le sur le gaz, ce mec, le petit. Je pense que là, tu peux pas aller là. Non, en bas. Regarde là. Un maximum de CB dans le chat pour voilà. Slex, bien sûr. Vas-y, alors lance ton un SCV, parce que t'en as cut un de nouveau. Voilà. Un seul. Voilà, et le SCV qui faisait le supply, tu peux cliquer sur le gaz avec. Voilà. Pour qu'il aille faire le gaz direct après. Voilà, et là tu poses Tarax. Nice. C'est pas grave. Noise. On est d'accord que 2385 ça fait tiep alors que 2400 c'est propre. Je pense qu'on peut complètement viser un petit plus 15 dans la soirée. Ouais, ouais je pense que c'est faisable. En au moins pour rembourser les fromages. Bah, quoi. Sachant qu'on va faire 80 points si on gagne cette game, oui, je pense que c'est ok. Hein. Au moins tu parlais pour... du MMR là. Ouais. Je parlais des sommes. Ah ok. Funka, il faut que tu prennes le deuxième gaz. Funka, il prend un petit chèvre pour 2400. C'est mort. Merci beaucoup, Game Street. Pour les 10 subs gift là-dessus, Game Street, merci Let's beaucoup. Let's go, Game Street. 2386. Vous allez pas le laisser tout seul quand même. Wesh. S'il gagne cette game, ça gift 5 subs. Ok, sans garde. Ok, let's go. C'est entendu. C'est noté. C'est noté. Là, j'ai passé. Non, t'inquiète. Ouais, et là. Là, t'as fait ton Reaper, c'est parfait. Donc tu fasses ton orbital. Maison, orbital et dépôt à la maison. Le dépôt, il est en cours. Ah, le dépôt, il est en cours. Autant non, vas-y, laisse le SCV là pour faire la facto. Nice. Là, c'est un peu de quelques retard secondes. Sur ton deuxième gaz en fait, c'est juste ça. Vas-y, facto. Fais ta facto. Sans de gaz, tu l'as là. VF. Nice, c'est ce coup-ci, c'est où je me permets, mes oreilles sur le chat. Là tu fais Tech Lab. Le chat nous fait remarquer qu'on a toujours pas trouvé de nom pour le trou du cru. Bah, en vrai. En fait, on s'est demandé si le trou du cru c'était pas suffisant comme nom quoi. Oh putain, il a pas de B de Lzeric. Après, si vous avez des idées, proposez-les dans le chat. Ou alors il l'a en pocket. C'est un maraud. Oh T2. Franchement, tu peux gagner avec ce. C'est un fast T2. C'est un proxy maraudeur okay, Elion. Faut que tu fasses des SCV, faut que tu fasses ton maraudeur et ton concussive. Laisse ça. Bien joué, il a le hotkey. Ah dommage, j'avais un deuxième drone concussive. À prendre là. Concussive. Voilà, Elion. Elion produit des Elions à la maison. Je pense que t'as pas le non. Hotkey. Ouais. Ah, elle est pas finie de toute façon. Et vas-y, lance un supply, profites-en pour lancer un supply. Supply et mule. Mule. Nice. Deuxième maraudeur. C'est vrai qu'on pourrait l'appeler la fin de l'abondance, mais bon, on mange pas de l'abondance, donc c'est le mini. Ouais, on a la ref à Jean Massier, mais bon, ça suce fort ici. C'est vrai que ça suce beaucoup Jean Massier, hein, ça dégoûte un peu. Hein. Okay. Si tu reviens, c'est parfait, si t'arrives à lance un maraudeur, lance ton Elion. Là, tu peux en faire plusieurs, tu peux les Q, faire un dépôt. Non, le Q pas, tu peux pas faire le spatio. Ah oui, j'avoue, il peut pas les Q. Je dis des bêtises. Pas grave, spatio maintenant. Nice. F2. Tu te regroupes devant sa B3 là, devant sa B2. Ok, c'est Tipar, vas-y bat-toi. Sauve ton Reaper. Oui monsieur, bonne conclusion. Oh oui. Non mais la KD8 qui touche les 3. J'en veux plus de lui. Faut bien que tu rally point ton Elion aussi, faut qu'il vienne. Ouais, il est censé venir. Et nice. Pareil pour Tarax, tu peux vraiment bien mettre le rally point bien haut. Vas-y, monte. Allez, mets tous les rally points là où t'es. Voilà, et même le spatio, tu là, l'as t'as pas. Le spatio qui vient de se terminer. C'est quoi ça? C'est de la merde, gros. C'est un tarif de cafard, PTDR. C'est une victoire qu'on doit. Mets-toi derrière l'extracteur, il y a des airlines qui sortent là. Après, en vrai, il devrait fumer le tarif de cafard parce que là, il est en cours de production donc il a pas 100 points d'armée naturelle. Ferme ta gueule. Après, t'as envie, quand t'as 3 quand t'as 4 maraudeurs, tu préfères qu'il fasse des roaches que des lings. Hein. Non, casse pas les oeufs. Par contre, casse la queen. Tu ramènes les choses et tu peux produire des trucs sur ta starport. Ah, et on nous rappelle qu'il faut pas oublier la main en mule. Hein. Oui, drop la mule maintenant, ouais. Drop la mule. Putain, j'ai Clément pas le temps. Les raccourcis, c'est pas possible. J'ai cliqué dessus, mais j'ai pas le temps. Je crois qu'il avait pas d'énergie en vrai. On a relancé cette game pour réussir la mule. Nonobstant, Sangaris Alpha nous doit 5 subs. Ouais. C'est vrai ça. Sangaris Alpha, va falloir lâcher les 5 subs. Qu'est-ce qu'on fait du coup? On la retente? Toi, ouais. Tu veux vraiment nous faire bouffer des fromages pourris, toi? Bah écoute, moi je suis là pour ça. Non, mais vas-y, relance dans une. Je la mets 203 et puis ensuite on a un fromage à test et ça sera une fin de soirée quoi. Parce que là, si je la réussis, ce sera le plus haut taux de réussite de tous les tests de la soirée. Les build order.
C'est apparemment, le build est pourri, le chat a dit, donc bon. Ah. Ils connaissent Tangaris Alpha, bravo. Les 5 subs offerts, bravo. c'est beau. Et c'est on l'a fait, les 2400, let's go. Un maximum de CB dans le chat, bien sûr, pour Tangaris Alpha. Qu'est-ce que t'en penses de son crochet à Coca? Il est propre, en vrai. Ouais, pas mal, en vrai. Ah oui, j'envoie une bonne droite. Hein. Ouais. Clean. Clean shit. Clean shit à la prod, là-dessus, je reviens. Ok, c'est un autre zerg. Parfait. Par contre, cette fois-ci, on veut vraiment une mule propre. Là, est-ce que là, on dit plus rien, Clément? Et un maximum de CB dans le chat. Il faut lui si dire. Si on veut un gros taux de conversion de 100% de win, je pense que la dernière, faut voir s'il a appris sa leçon, tu vois. Oula, je crois qu'on s'est fait sniper. Pourquoi? Parce qu'il y a un petit gel à chef smiley. Mais non, mais ça, c'est classique en bronze. Es-tu français? Écoutes-tu le stream, adversaire de Clément? Lotanis ou Lotarnis, quelque chose comme ça. Lotarnis, ça sonne comme un pseudo de français qui veut, ouais, qui veut avoir la stylée. Nice. Non, pas par là, va à gauche, va à gauche. L'Overlord, il va arriver là. Ouais, tu t'es fait voir, c'est pas grave. Merci pour les 5 minutes. C'est pas grave, c'est un bronze, c'est un bronze, il a pas vu. Enfin, le ténèbre ou juste un mec. Vas-y, pause. Non, c'était le ténèbre. Parfait. Faut que tu prennes ton deuxième gaz. Ah non, ton premier gaz. C'est une ref à Funka qui fait un mec a fait un mème. Alors que c'était le ténèbre. Et le ténèbre, il était 3 ans de mime et je suis juste un mec. Deuxième gaz. Voilà. C'est parfait ce que t'es en train de faire, Clément. Mec, fin. Oh là 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 là. T'as une meuf ou pas? Parce que moi j'ai une sœur à maquer. Non, je... Elle mange du bon fromage ou pas? Du bon smec, ouais. Non, non, putain de merde. Je savais qu'elle arrivait. Je fais des refs, les gars, je crée des boucles, ok, c'est bon, c'est mais comme c'est ça. Ta sœur, tu peux pas dire qu'elle mange du fromage de bite. Non, mais c'est pour le mime. Ouais, c'est rempli pour le gaz, ouais. Mon gueule. Remplis le gaz, mon gâté. Allez, remplis ton gaz. Et c'est trop remplir autre chose, toi, tu vois. Ah ouais, bah vas-y, remplis lui tout, bien. Relance un Ripple. Le mec, il prépare ses moments best-of. Ah ouais, là, je vais faire une punchline pour le best-of. Bah ouais, gros, de ouf. Quelle création de contenu incroyable. Quel... Tu vois, Tenny, en plus, il est là, il aura même pas besoin de nous. Oh, il y a Takotsubo dans le chat qui dit « Je lui dirai ». Oh non, Élise. Élise. C'est la best, oui. C'est la best. Mais non, c'est la best. Arrêtez les deux frères là. Tech Lab. Frère de la dégueulasserie. Merci Asmodé. Salut pour le sub. Asmodi. Il paraît qu'Élise, elle s'y connaît en smegma en plus. Ferme l'homme, malade en vrai. Non mais dans sa condition de dermato. Pédiatre. De pédiatre dermato. Mm-hmm. Ouais. Tu crois que les enfants ils ont pas de smegma? J'en sais rien, man. Oh oui, le snipe. Je veux pas avoir cette discussion. Pourquoi ce. Ah pourquoi oui. Ce vas-y, mets-tu lui tous ses drones et prends-lui son portefeuille. Mec, c'est déjà gagné. Non mais hey, t'as pas le droit de perdre du nid. Il y a des gens qui jouent à 2500 MMR au-delà de que l'Oltaris là, parce que les gens disent ouais, ça a l'air d'être un build de merde. Là, c'est en train de littéralement avec un proxy reaper de tuer la game. Hein. Ouais. Je dis ça comme ça. Hein. Après bon, c'est la micro et de Clément One Planche quand même. À la maison. T'inquiète, ils sont en cours. T'es sûr de toi là? Ah ouais, oui. T'as lancé ton start. Je crois que t'as pas lancé le spatioport. Non, mais je m'en suis jamais servi jusque là. Je me dis que c'est pas. Ouais, mais imagine là, t'en as besoin. T'auras le seum d'avoir fait le cocky boy. SCV, mule, dépôt. Faut que tu fasses un dépôt très vite. Voilà, fais le ça, j'adore, mec. Le dépôt proxy, c'est vraiment ma cam. Lance une mule et fais des SCV. Ah, la mule, je me l'économise pour la fin, en vrai. Ah oui, tu l'as. Mais quel bâtard! Il dit j'économise la mule pour pouvoir la lui mettre. C'est beau, ça. Allez, on y va. Là, tu montes, mule. Attention à. Voilà, prends. Mule. Tank avec tes maraudeurs. Tank avec tes maraudeurs. À mon avis, il y a des airlings qui sortent. Vas-y, bats-toi. Mule. Oh non, c'est des drones, incroyable! Vas-y, tape les drones, tape les drones. Mule. Là, tu peux le muler en vrai, je pense. Après, il a mis GHF avec un smiley, on est des putes. F2 à clic. Allez. Ah non. C'est pas bien. Tu l'as fait à une IA, mec. C'est vrai. Mais oui, mais justement. Mais mec, si un jour les IA se rebellent contre l'humanité, ce sera de ta faute, mec. Avec tes maraudeurs, il faut que tu cliques sur les spines qui sont en train de se faire. Ouais, faut que tu fasses les spines. Encore les lions. Superbe. Attention, ça sort. À clic tout court, voilà, superbe. Putain, mais la micro. Mec, c'est extraordinaire. Kite back tes drones. T'as vu, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, mec. Voilà, encore le oui mur. Produit. Et essaye de sortir une unité de ta starport si tu peux. Ah, la spine est sortie. C'est chaud en vrai. Il va hold. Vas-y, crame des drones. Ouais, ok. Y a un T2 qui s'est terminé pendant ce temps-là. Hein. Je suis inquiet. Hein. Oh, fais un libérateur à la maison. Oh, les gars, si on avait eu le spatioport et les vikings. Ah, regroupe-toi ici avec ta pop et fais un petit libé. Tu peux faire une deuxième rax en proxy là. T'as beaucoup de thunes. Ouais, fais une rax là. Ou une facto. Fais une facto, ouais, fais une facto. Une facto pour tuer les links. Ok,
Je crois que tu peux fermer ton wall en vrai. Oh, les gars, on a trop parlé, putain, on a trop parlé. Mais non, tranquille. Mule, franchement, tranquille. Fais une mule chez toi, du coup. J'ai envoyé la mule déjà. Déjà, ça c'est, ouais, c'est coché. Déjà, cette partie-là du build order est réussie. Continue de produire en vrai, masse maraudeur et lion. Je pense que. En vrai, il a tellement de thunes, il pourrait faire une armurerie, non? Ouais. Fais une armurerie à la maison. Une armurerie, mec. VA. Ah ouais, c'est bien ça. VA, ça te permet de faire des Hellbats. Tu peux avoir des lions qui se transformeront en. Ah ouais, ouais. Ah, fuck VA, nonobstant. Mais. Fais un medivac, fais un medivac. Allez, fais un medivac. Avec ton libérateur, tu peux essayer de siéger la B1. Yep. Je sais pas ce qu'il produit là. C'est quoi ce bâtiment là, à droite? C'est une chambre d'évo, gros. Il est à côté de ses pompes. Il va mourir, il va mourir. Vas-y, lance des lions plutôt, des lions. Nice. Et un supply block. Parfait. Déplo. Et là, dès que ton medivac arrive, on va à la guerre. Le mec qui est quand même en train de B2 de l'autre côté, ouais, de la map, ça, à côté de la, mec, la B2R, c'est juste improbable. Tu garderais le libérator? Ouais, vas-y, si je l'envoie. Mais une réaction sur le Reaper, ça allait pas très vite. C'est un face muta, ça, non? Ouais. Oh, meurs pas. Là, c'est dommage, t'aurais tué la queen. Après, il est en train de la micro. Ok, vas-y. Et lance des lions, des maraudeurs et on y va. Des mines, non? Non, 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 des lions, des lions. S'il y a vraiment des mutas. Vas-y, go, 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 go. J'ai pas le. Si, le diva qui arrive. Vas-y, go in. Superbe. Vas-y. Siège ton libé sur la base, hein. Tu fais E avec ton libé. Et parfait. Là, tu peux faire D avec tes lions pour les transformer en Hellbat. Ouais, double clic tes lions. Voilà. Et là, tu F2 à clic. Et c'est gagné. Attention, attention, attention. Attention. Vas-y, lance des units. Lance des units. Ah, sont là. Il y a des mutas qui sont en train de sortir là. Non, 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 non. Mec, il a lancé des units de merde à en panique. Maison. Fais une ébise, fais une ébise. Et lance un viking. Fais centre technique à la maison et viking, ouais. Après, tu peux tuer les œufs, t'as des Hellbats, hein. Siège ton libé sur la B1. Ah, oh, oui. Ça, c'est des cafards, c'est des cafards. Je vous ai dit, c'est de la panique. Vas-y, siège. Il a le road speed par contre. Maraudeur et lion, maraudeur et lion. C'est gagné, mec. Oh les gars. C'est gagné. Oh les gars. Voyez, ça gagne même contre les ergs. Nos builds sont trop forts. Let's go. C'est trop beau, une planche. La 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 la. Clément, une planche. La 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 la. Clément, une planche. C'est trop drôle, putain. Magnifique, magnifique.